C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, un mécanisme de secours mutuel en cas de crise humanitaire dans les régions d'Afrique et du monde arabe va être créé. Cela est sorti de la deuxième journée de la neuvième réunion de concertation des membres de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe à Bujumbura ce mardi. Et à la page commerce, des files d'attente s'observent encore à quelques stations-service de la mairie de Bujumbura. Vous suivrez les détails dans ce journal. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Aucune société privée n'a jamais reçu l'accord de placement de la main-d'œuvre en Arabie Saoudite. Colonel Pitas Massoumbouko, président de la Commission nationale de la prévention et répression de la traite des personnes, l'a signalé ce mardi lors d'une visite retour d'une délégation tunisienne pour voir l'état d'avancement de la lutte contre la traite des personnes. Il indique qu'il existe des sociétés qui font des recrutements illégaux. Selon lui, ces sociétés doivent être poursuivies par la justice. Suivez-le. L'accord qui existe pour le moment, c'est l'accord entre le Burundi et l'Arabie Saoudite. Les textes d'application ont été signés par les ministères concernés. Au niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est la création des sociétés privées qui vont faciliter effectivement ce placement de la main-d'œuvre dans ce pays où l'accord existe. Et je profite aussi de cette opportunité pour signaler qu'il s'observe des sociétés qui font des recrutements et des formations, mais jusqu'à présent, c'est illégal parce qu'aucune société privé n'a jamais reçu l'accord, mais cela va être effectif très prochainement. Donc là, on aura vraiment des sociétés qui vont œuvrer dans ce domaine où tous ceux qui désireront aller recevoir de l'emploi au niveau de ce pays que j'ai déjà signalé vont aller sans s'inquiéter parce qu'il y aura des contrats où ils pourront vraiment se voir protégés par ces contrats. Je vous le disais en titre, les membres de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe s'engagent à partager les stratégies de gestion des crises aussitôt qu'elles surviennent dans ces zones. Au sortir de la neuvième réunion de concertation sur les effets politiques et économiques de la pandémie de la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne à Bujumbura, les gouvernements d'Afrique et du monde arabe se sont recommandés, entre autres, de créer un mécanisme de secours mutuel en cas de crise humanitaire dans ces localités. Jean de Dieu, il est à côté. Après des jours de la neuvième réunion de concertation de l'Association des Sénats, Shura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, plusieurs engagements ont été pris pour faire face aux effets politiques et économiques de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Dans une déclaration qui coiffe ces assises, les pays membres s'engagent notamment à partager les stratégies mises en œuvre pour faire face aux crises aussitôt qu'elles surviennent dans ces zones. Il recommande notamment aux gouvernements africains et arabes d'activer les partenariats stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire et énergétique arabo-africaine. Il recommande en outre de créer un mécanisme de secours mutuel en cas de crise humanitaire. Avant la fin de cette réunion, le secrétaire général de cette association, ACK Ali Youssouf, avait estimé que les Arabes et Africains étaient victimes des effets politiques des pays développés. À la page Salubrité, une campagne de collecte des bouteilles en plastique a été organisée par Caritas Burundi pour assainir l'environnement et protéger la création.
Abbé Jean-Baptiste Hakizimana, secrétaire général de Caritas Burundi, dans une conférence de presse ce mardi, annonce qu'à part cette campagne, des formations sur l'utilisation des bouteilles et la législation pénalisant ceux qui jettent les déchets plastiques dans la nature sont dispensées à l'endroit de la population. Suivez. Depuis le 1er septembre 2022 jusqu'au 4 octobre 2022, nous sommes dans une campagne particulière qui nous invite à la protection de la création telle que ça a été stipulé dans la lettre encyclique du Saint-Père François. Il l'a écrite le 24 mai 2015. Et cette lettre s'appelle Laudato si. Loué sois-tu, Seigneur. Louons le Seigneur pour la création. Cette création, le Saint-Père l'appelle la maison commune que nous devons protéger. Quand nous protégeons cette maison commune, et c'est un défi urgent, nous protégeons la famille de Dieu, la famille humaine. Ce sont les mots utilisés par le Saint-Père François. Nous avons pris en main cette option ici au Burundi comme Caritas Burundi et le mouvement Laudato si, pour interpeller les consciences dans cette ligne tracée par le pape. Je vous invite à pouvoir diffuser ce message partout là où vous serez. Et ici, pendant cette semaine, nous aurons à ramasser les objets plastiques qui ont été jetés ici et là dans nos villes, le long du lac Tanganyika, pour que nous puissions adhérer à cette vision du pape. Et nous allons clôturer cette période avec la messe du 4 octobre qui sera célébrée à la paroisse Kanyosha. À la page commerce, le carburant est disponible sur certaines stations de la mairie de Bujumbura. Cependant, il s'observe encore des files d'attente, notamment à la station-service dite chez Gwanyeneza, située au boulevard de Luprona, une des stations visitées par la télévision Isanganiro ce mardi. Le point avec Elisa Nakarutimana. Sur certaines stations-service de la mairie de Bujumbura qu'a visité la télévision Isanganiro dans l'avant-midi de ce mardi, des lignes d'attente des véhicules attendaient de s'approvisionner en carburant. Sur la station-service à côté du rond-point près de la place de l'Indépendance, les pompistes se plaignaient de son manque. En cet instant, il leur fit approvisionner et la joie était tout entière car ils l'attendaient impatiemment. La station-service est communément appelée Kwakatikati. La file d'attente des véhicules n'était pas assez longue. Le carburant était disponible. Celui qui voulait s'en approvisionner était vite servi. Sur la station appelée Kwagwangineza au boulevard d'Oliprona à l'endroit du pont au-dessus, des voitures entouraient cette station et attendaient de s'approvisionner. Même s'ils n'ont pas parlé sur nos caméras, ils ont indiqué que seuls 5000 litres de carburant sont disponibles et que cela ne peut pas suffire. En actualité internationale, l'Ouganda maintient son projet d'exploitation pétrolière malgré une résolution de l'Union européenne dénonçant des risques humanitaires et environnementaux. Selon les informations que nous tirons sur Africa News, indique que le projet va être mis en exécution d'ici 2025. Images et commentaires. Notre pétrole sera extrait en 2025 comme prévu. Le peuple ougandais ne doit pas s'inquiéter. Ce sont par ces mots que le président ougandais Yoweri Museveni a tenté de rassurer son peuple et les investisseurs français et chinois investis dans le projet d'exploitation pétrolière.
Dans une résolution non contraignante, l'Union européenne a épinglé des violations des droits de l'homme, des risques environnementaux et climatiques. Kampala et Dar es Salaam dénoncent une attitude néocoloniale et exigent le respect de leur souveraineté. C'est en février que Total Energy a annoncé un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et le géant pétrolier chinois CNOOC pour la construction d'un oléoduc de plus de 1400 km reliant les gisements du lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda à la côte tanzanienne. Estimant que plus de 100 000 personnes risquent d'être déplacées sur le tracé de l'oléoduc, les eurodéputés ont réclamé un dispositif de compensation adéquat pour les personnes expropriées. En outre, le Parlement européen demande au groupe français de retarder d'un an le projet afin d'étudier la faisabilité d'un autre itinéraire permettant de mieux préserver les écosystèmes protégés. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.